Revelio. L'art est ma deuxième maison. Je suis nostalgique à l'idée de devoir quitter. Revelio. Allô, Mora. Qu'est-ce que c'est que ça? Une demi-guise. Revelio. En route pour de nouvelles aventures. Vous feriez bien de ne pas sous-estimer cette jeune personne. Son aptitude pour la magie dépasse tout ce que j'ai pu voir, et cela fait bien longtemps que j'enseigne. C'est une joie d'avoir un tel élément. Parfois, oui. Voilà. J'ai reçu votre hibou. J'ai pu m'entretenir avec Lodgok, le gobelin dont je vous avais parlé. Et qu'avez-vous appris? Ranrok et lui étaient proches, mais ils se sont disputés. Pouvons-nous lui faire confiance? Je pense que oui. Difficile à dire. Mais si Rona Ryan lui fait confiance? J'imagine qu'il faudra nous en contenter. Dans ce cas, nous aidera-t-il à nous rapprocher de Ranrok? J'ai récupéré un home volé qu'il espère rendre à Ranrok afin de regagner sa confiance. Je vois que vous n'avez pas chômé. Espérons que cela nous permettra d'en savoir plus sur les plans de Ranrok. Lodgok a dit que Ranrok cherchait quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Ce home apportera peut-être des réponses. Ranrok recherche quelque chose? C'est ce que je craignais. J'ai entendu une activité inhabituelle lorsque je suis passé dans le portrait de mon château. Des gobelins et des sorciers, je crois.
Le château de Rockwood ? Mon ancienne résidence, oui. C'est aussi dans ce château qu'aura lieu votre prochaine épreuve. Vous n'avez rien vu ? Vous n'avez parlé à personne ? Non. En fait, je suis resté caché. Je n'y suis passé que récemment et je n'ai reconnu aucune des voix que j'ai entendues. Cela m'inquiète fortement. Je suis resté hors de vue pour ne pas leur donner l'idée de détruire mon portrait. Je dois vous informer que Victor Rockwood, votre descendant, est un mage noir, de mèche avec Ranrock. Mon descendant ? Un mage noir ? Alors nous devrions nous hâter. Malgré les obstacles qui vous attendent, vous devez vous rendre au château de Rockwood immédiatement. La prochaine épreuve s'y trouve, ainsi que des secrets qui pourraient s'avérer dévastateurs entre de mauvaises mains. Vous comprendrez lorsque vous aurez réussi l'épreuve. Sur place, essayez de trouver mon portrait au plus vite. Très bien, j'y vais de ce pas. Bonne chance. Pas de temps à perdre. Je vous rejoindrai au château de Rockwood. L'endroit semble être assez agréable. Oui, des erreurs ont été faites. Tu ne devrais pas voler les hommes gobelins qu'on a volés, tu sais. Par ici. Qu'est-ce qui se passe ici ? Le professeur Rockwood avait raison. Les hommes de Victor Rockwood et les fidèles de Ranrock sont déjà là. Ils forment une alliance, c'est certain, mais pas des plus amicales. J'imagine que tout le monde est d'accord pour passer par un autre chemin. Allons-y. Thank you.
sûr, non. Ranrock veut qu'on coupe l'enfant, mais quel enfant? On pourrait emmener tous les enfants qu'on trouve à Ranrock. On finira bien par tomber sur le bon. C'est un travail énorme. Peut-être qu'on devrait juste lui dire qu'on a cherché, s'il pose la question. Ce serait plus facile, en effet. Faisons comme ça. Tu ne peux pas empêcher la révolte de Ranrock! Tu n'es pas à la hauteur. Tu dois bien t'en rendre compte. Mon frigo! C'est notre porte d'entrée. Revelio. Levioso. Si j'avais su que tu avais prévu de creuser dans ton pays... Je n'aurais pas besoin de creuser si tu avais tout simplement réussi à m'amener l'enfant. On n'aurait pas eu besoin de l'enfant si tu n'avais pas envoyé un dragon récupérer un réceptacle qui m'a coûté des mois de travail et d'innombrables faveurs du ministère. Tu les as laissés monter dans la diligence. Mes options étaient limitées quand j'ai appris qu'ils seraient bientôt dans cette maudite école où je ne pourrais plus l'atteindre. Tu n'as pas acquis suffisamment de pouvoir ici. Je t'ai laissé creuser sous la demeure de ma famille. Laissé creuser ? Tu n'es ici que parce que tu es le descendant d'un gardien et que tu pourrais éventuellement t'avérer utile. On avait conclu un accord. Je partagerai avec toi le pouvoir que j'ai découvert si tu parviens à trouver les dépôts de magie qu'il reste encore. Alors, à moins que tu ne tiennes à voir une autre démonstration de mon pouvoir, un pouvoir que tu espères avoir un jour, amène-moi l'enfant. Nous savions déjà qu'ils vous recherchaient, mais nous savons à présent qu'ils veulent trouver des dépôts de magie. Et Ranrock est au courant pour les gardiens. Oui, j'ai aussi entendu cela. Le professeur Rockwood a dit que vous comprendriez plus de choses à l'issue de la prochaine épreuve. Allez, entrons dans ce château. Tu as un dernier message à faire passer à ta maman.
J'imagine que c'est le moyen le plus rapide de descendre. Classique. Leviosa. Confringo. Revelio. Des traces de gobelins. Ils ont un peu d'avance sur nous. Voyons où elles nous mènent. C'est sûrement ça, la réserve de magie à l'origine de la puissance de Ranrok. Il a l'air vide. S'ils ont tout pris, pourquoi sont-ils encore là? Ranrok a dit qu'il y en avait d'autres à récupérer. S'il a raison, elles peuvent se trouver ici ou ailleurs. Où qu'elles soient, nous devons les trouver avant eux. Où est ce portrait? J'ai entendu du bruit. J'espérais que ce soit vous. Revelio. Professeur Rockwood, les gobelins et les mages noirs qui ont pris votre château cherchent des dépôts de magie. Et ils ont ouvert une sorte de réceptacle. Non, ce n'est pas vrai. C'est bien pire que ce que j'imaginais. Si, comme vous l'avez dit à Percival, un gobelin maniait une puissante magie dans son caveau, alors cela signifie que... c'est impossible. Et monsieur, ils savent que vous êtes un gardien. Ranrok a employé ce terme. Ça n'a aucun sens. Comment ? Nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, vous devez réussir la prochaine épreuve. Dites-moi simplement où aller. Croyez-moi, avant de l'utiliser, vous devez d'abord essayer de comprendre ce pouvoir que vous convoitez. C'est le but ultime de ces épreuves. Pour y parvenir, il vous faudra récupérer tous les artefacts que nous avons mis en place. Il suffira de nous montrer plus malin que Ranrok, ainsi que mon homonyme. Très bien, professeur. Dites-moi où aller. Je vous révélerai la voie, mais le professeur Fig doit partir. Je viendrai à vous si je le pouvais. Je vous attendrai dans la salle de la garde. Confringo. Je dois repositionner ce pilier pour sortir d'ici. Peut-être que la solution réside dans l'arche. Action ! Réflexion ! Leviosa !
Action! Wingardium Leviosa! Je vais devoir le déplacer. Positionner cette arche. Si je positionnais l'arche correctement, je pourrais déplacer le pilier et libérer la voie. Bingo!
crois que je dois aller à gauche ici, mais comment ? M'accrocher. De celle-ci. Est-il possible de tirer un de ces blocs sous l'arche ? Après avoir tiré le bloc sous l'arche, je peux le placer ici et l'escalader en étant de l'autre côté de l'arche. Leviosa.
Thank you.
Quel soulagement! J'ai hâte d'entendre Isidora nous conter ses voyages. Entrez donc. Asseyez-vous, je vous en prie. Isidora, nous sommes tous curieux de savoir. Nous sommes prêts. J'ai quelque chose à vous montrer. Père. Voici mes collègues de Poudlard. Mon père ne parle plus depuis que mon frère est mort. Lors de mes voyages, j'ai pu confirmer ce que je savais depuis longtemps. Nous avons le pouvoir d'arrêter toutes sortes de souffrances. Qu'avez-vous fait? Il ne souffre plus. Cette forme de magie est inconnue, Isidora. Nous ne voyons que ce qui a été enfermé dans le pot, et nous ignorons quel pouvoir il détient. Mais les traces de cette magie ne ressemblent à rien de ce que je connais. Merci. Vous êtes de retour. Ah, formidable, vous revoilà. Et en un seul morceau, qui plus est. C'est bon de vous revoir. Le professeur Rockwood m'a raconté ce qui s'est passé au château de Rockwood. À la lumière des circonstances difficiles dans lesquelles nous nous trouvons actuellement, il est fort bienvenu qu'une personne aussi compétente suive ce chemin. Merci, professeur. Je garderai ce deuxième artefact en sécurité, comme vous me l'avez conseillé. Bien. Voulez-vous continuer? C'était quoi ce fil incandescent qu'Isidora a retiré de la poitrine de son père? C'était de la douleur. Vous comprendrez mieux ces actes quand vous réussirez les épreuves. Je suis prêt à faire face à ce qui m'attend. Dans ce cas, les présentations s'imposent. Permettez-moi de vous présenter l'ancienne directrice de Poudlard, Niamh Fitzgerald. Comment allez-vous? Je dois dire que je n'ai pas été entièrement surprise d'apprendre qu'un élève avait réussi les épreuves.
J'ai toujours pensé que rien n'était impossible pour les élèves de Poudlard s'ils sont motivés. Merci, professeur. Je suis ravi de vous rencontrer. Je ne doute pas que vous soyez parfaitement capable de réussir mon épreuve. Cependant, il serait compliqué d'accéder à son emplacement pour le moment. Nous avons confiance en votre jugement, professeur Fitzgerald. Vous savez mieux que quiconque comment gérer les inconvénients de... Eh bien... Un directeur exaspérant et orgueilleux ? Effectivement. Je vous dirai immédiatement si tout est en ordre. Bien sûr. Le professeur Fitzgerald a besoin d'un peu de temps pour décider de la marche à suivre. En attendant, vous devriez continuer à perfectionner votre magie. Et si vous en apprenez davantage sur les activités de Ranrock et de Victor Rockwood, n'hésitez pas à nous en faire part. Très bien, professeur. Je sais. Je dois continuer à me perfectionner. Vous apprenez vite. Avec un peu de chance, vous saurez bientôt comment Lodgok s'en est sorti avec le home récupéré par vos soins. Vous avez fait du bon travail, comme d'habitude. Au revoir. Nati m'a parlé de ton altercation avec les braconniers. Allô, Mora. J'ai aussi des nouvelles de... Peux-tu venir me voir? Je crains que ce que j'ai découvert ait un lien avec toi. Lorsque vous aurez un moment, passez voir Jig dans la salle sur demande. Il pense que la reproduction des créatures pourrait vous intéresser. Il m'a été demandé de vous enseigner le sortilège d'explosion, Bombarda. Revenez me voir après les cours, quand vous aurez accompli les tâches que je vous ai confiées. Bonjour, Grace. Qu'est-ce que tu fais ici ? Ravie de te revoir. Au fait, encore merci pour ton aide au lac. Je suis devenue plutôt douée au plateau d'attraction. Et j'attends mon prochain adversaire. Je suppose que c'est toi. C'est possible. Alors, on peut commencer ? C'est parti. Bien, voyons voir ce que tu vaux. «
Tu n'as rien vu. Action. Quel coup remarquable! Eh bien, je crois que je suis battue. Bravo! La plongée, le plateau d'attraction, tu as vraiment du talent pour tout. Tu as très bien joué, Grace. J'ai plutôt bien joué, pas vrai? Seule une élève a réussi à me battre. Elle est très douée, mais si tu t'y prends comme tu l'as fait avec moi, tu as peut-être tes chances. Si tu pouvais te décider rapidement... Vous avez une minute? Chic aurait une idée vous souhaite. Thank you.
Bonjour, Chick. Tu voulais me parler ? Oui, Chick a pensé que vous voudriez peut-être apprendre à construire un enclos de reproduction pour pouvoir élever des créatures. Cela me semble être une très bonne idée. Sauver et élever des créatures vont de pair. Les jeunes créatures sont particulièrement vulnérables aux braconniers. Élever des créatures ici, dans la salle, nous permettra de garantir la sécurité des petits. Je vois. Qu'est-ce que je dois faire ? Commencez par amener deux créatures dans la salle, un mâle et une femelle. Chick vous conseille de sauver des sombrales, car ils sont recherchés par les braconniers. Ce sont de nobles créatures, mais leur lien avec la mort leur donne une mauvaise réputation. Leurs crins de queue sont prisés par les braconniers. J'ai déjà vu des sombrales, mais où puis-je en trouver dans les environs ? Chick a aperçu des sombrales sauvages non loin de l'enceinte de Poudlard. Ensuite, vous devrez acheter un créasor pour l'enclos chez Tom et Parchemin et rassembler les matériaux requis. Une fois que vous aurez sauvé les sombrales et récupéré le créasor, revenez voir Chick.